Ça fait 30 ans que je fais partie des forces de police de New York. Pourquoi êtes-vous devenu flic? Là d'où je viens, on a le choix entre l'arme et l'insigne ou le casque de chantier et le marteau. J'y vais. Entre les yeux. Vous aimez les armes? J'ai rien contre une petite fusillade tant que ce sont les criminels qui meurent. Votre insigne, vous l'aimez? C'est bien l'insigne. Mais il faut l'arme qui va avec. Je me vois contrainte de rejeter les chefs d'accusation de viol aggravé. Quand tu seras sorti, surveille tes arrières. Silence, s'il vous plaît. Okay. Surveille tes arrières. Silence! T'as raison, fais le malin. On a quoi cette fois? Tu es à bout portant, il est tombé juste là. Il a été inculpé de viol et relaxé la semaine dernière. Vous le connaissez? Ouais. Ok, c'est moi le tueur et je sonne à ta porte. C'est bizarre, mais tu m'ouvres. Tu dois avoir une raison. Je suis qui? Quelqu'un que je connais. Mieux que les connaître. Qui va le dire? Quoi? C'est évident, c'est un flic. Pourquoi est-ce que ce serait un flic? Là, on est dans la merde. Il va recommencer à tuer. Tu le sais. Et je le sais aussi. Les cadavres pointent tous dans votre direction. Pointe ou on les fait pointer? Si vous ne le soutenez pas, vous risquez de le regretter. Quoi qu'il arrive, je te ferai pas plonger avec moi. Qui a pris la décision d'entrer cette fois? C'est moi. De qui était la décision? Moi. Ils se couvrent mutuellement. On ne devient pas flic pour servir et protéger. On le devient pour être respecté. Beaucoup de gens respectent un insigne, tout le monde respecte une arme.